Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je vais très bien. Ici Yohanner pour commencer le deuxième épisode de la Yo-Yo World. Woo! Et comme vous le constatez, j'ai un tout nouveau skin. Et oui, c'est magnifique. Et aussi une nouveauté, je pourrais dire. Donc, on va repasser en première personne, parfait. Une nouveauté, j'ai ajouté un nouveau ressource pack. Whoop! On s'est cassé la gueule. Ouh! Bon, la dernière fois, on s'était laissé devant cette grotte. Et on avait pris quelques minerais de fer que je dois... Oui, ils sont juste là. Donc, on va s'éloigner un peu. Donc, j'ai ajouté un ressource pack, comme je le disais. Et puis, la dernière fois, on avait trouvé ce petit village... bien merveilleux. Donc, le ressource pack que je vais mettre, c'est le Realistic Adventure V6.7 patatista patata. Et on va le mettre. Donc, je l'ai testé avant et il marche super bien. Donc, j'ai fait mon skin sur NovaSkin pour ceux qui voudraient savoir. Vu que c'est un site qui est plutôt pas mal pour faire les skins. Et donc, voilà! Qu'est-ce que ça donne? Et c'est plutôt pas mal. Ça donne un autre goût à notre jeu. Et ça, c'est intéressant. Donc, peut-être que ça va me faire laguer un petit peu. Mais pour l'instant, ça va bien. Donc, on va retourner dans la grotte où est-ce qu'on était. Ça, c'est qu'est-ce que c'est? Que je vais devoir m'adapter. Parce que c'est des nouveaux blocs pour moi. J'ai juste de le mettre, les amis. Donc, ça. Il faudrait... Pensez aussi à se faire un bouclier pendant que les deux archers là s'entretuent. Allez-y, qui va gagner? Est-ce que c'est lui ou lui? Oh, ça, d'accord. J'ai gagné. C'est pas eux qui ont gagné, c'est moi. Oh, là, il y a pas mal de monstres. Puis notre vie est basse, donc on va manger un coup. Oh, on pourrait avoir essayé d'avoir un CD. Ce serait plutôt... pas mal. Et puis là, on a fait exploser. On a tout cassé. Ici. Oh mon dieu. Il y en a trop. Je vais me faire tuer. Non. Je vais pas me faire tuer. Non. Ma vie est basse. Ok. Retour. On va retourner au village. On va retourner au village. Plutôt pas mal. Ok. Donc la dernière fois, j'avais oublié de la nourriture dans des fours, je crois. Donc on pourra aller la prendre. Maintenant, tout de suite. Donc, c'était bien ce village, oui, effectivement. On va manger deux carottes. Et voilà, parfait. Donc, le ressource pack est vraiment magnifique. Je pense qu'on va... On va juste faire un truc... où est-ce que c'est pour désactiver les nuages? Clouds off, parfait. Voilà, il n'y a plus de nuages. C'est beaucoup, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est... Ok, une planche de bois. Voilà, laissez-la. Donc, regardez, c'est vraiment réaliste le ressource pack. Et moi, je l'aime vraiment comme ça. Et ici, on a des petites carottes. Donc, on va les prendre. Voilà, on va les replanter par la suite. Donc peut-être que je laguais un petit peu plus avec ce ressource pack, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici on a... Ouais. Comme ça. Et c'est ici, je crois, qu'on a... Oui, c'est ça. On avait laissé de la nourriture. Et on va prendre ces fours-là. Et puis on va les mettre... On va aller les mettre dans notre petite maison. Donc ici, il y a pas mal de plantations. Qui a poussé pendant qu'on va remettre de la terre, des patates. Voilà. Aussi, j'ai ajouté. J'ai fait les objectifs. Donc, je peux vous en nommer quelques-uns. Ça sera pas bien long. Je vais prendre ma petite feuille. Donc, les objectifs de cette. Attendez, je vais mettre en F5. Voilà. Okay. Les objectifs de cette série seront de tuer l'Under Dragon,
tuer le Wizard Boss, trouver un temple de la jungle, aller dans le Nether et y construire une base, faire un golem de fer, faire un bonhomme de neige, avoir 50 diamants, trouver un igloo, ça c'est une nouveauté, faire le temple guardian, faire une balise, donc le faisceau lumineux, avec toutes les compétences, avoir tous les achievements, avoir une monture, donc un cheval ou un cochon. Un cochon, ça serait plutôt drôle. Avoir tous les laines du jeu. Donc voilà, c'est pas mal ça. Pour les objectifs. Donc on va repasser. Voilà, en première personne. Et on va récolter. Oh non, je suis tombée. Bon, c'est pas grave. Et on va prendre les petites plantations. Voilà. Ici. Donc, on va. Par la suite, on va arrêter parce que. Sinon, l'épisode va être plate. Où est-ce qu'elle était notre petite maison? Où est-ce qu'elle était? Je pense que c'est elle, mais je suis pas sûre. Oh, ici? La maison est un peu dans le sol. Bonjour! Est-ce que c'est ma maison, ça? Non, on dirait pas. Mais oh, on va enlever la terre ici. On va faire un petit peu de ménage. Donc, parfait. On va fermer la porte. Qu'est-ce qui t'en garde, toi? est-ce que c'est elle? Non plus. Un jour, on va la trouver, les amis. Ah, oh, je crois que c'est elle. Oui, je crois que c'est elle. Oui, Georges est là. Oh non, il y a une araignée. Ici, petite araignée. Va-t'en. C'est mon territoire. Et elle nous a donné des fils. Oui, un string. Donc, ceci était notre petite base. Et regardez, avec le ressource pack, ils ont refait. Oh non, j'ai l'auto-jump. Je vais l'enlever. Off. Parfait. Ils ont refait la table de craft. Qu'est-ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va. Ici, on avait de l'iron, ben, des minerais de fer. Donc, on va les faire brûler ou cuire. On pourrait dire cuire, ouais. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 10. Je l'avais déjà vu, lui. Ouais, ça, c'est de la merde. Bon, est-ce qu'on a du charbon? Pas pour l'instant, on va faire du pain en attendant. Est-ce que j'ai comment ça s'appelle ça? Blé. Non, bon, c'est pas grave. De plus, parce que j'aurais pu en faire un autre. Ici, on va mettre toutes nos carottes, on va stacker tous nos petits trucs. Ça, comme ça, ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va prendre. Aux iron ore et on va brûler des escaliers. Je crois que ça marche. Donc ici on va récolter la nourriture. Oups, non, c'est pas là que je vais le mettre. Parfait, on va le mettre là. Et on va pour que ça aille plus vite, on va mettre du bois. Donc après qu'elle est que ça a l'air à cuire, on va aller prendre du bois parce que il nous en reste presque plus, je crois. Ça c'est de la terre, ouais. C'est ça, il nous en reste presque plus. Donc, hey, t'installes mon lit, c'est mon lit. Merci. Toi aussi, t'installes mon lit. On va faire un deuxième lit, juste pour la déco, pendant que ça cuit. 1, 2, 3. Si vous savez pas comment faire un lit, c'est 3 planches en bas et 3 planches par-dessus. Et voilà, ça vous fait un lit. Et comme ça, le petit villageois, il s'en va. Ouais, parfait. Donc là, ça nous fait un lit double. Avant, on avait un lit simple. Là, c'est parfait. 4 lingots de fer. Donc ça nous fait un achievement en plus. Qu'est-ce qui est plutôt pas mal. On va se faire... priorité. L'épée pour se défendre. Qu'est-ce qui est plutôt pas mal. Il nous reste 6.
On va se faire un beau petit casque. Wow! Wow! Le casque est génial! C'est magnifique. Donc, mes yeux sont un peu trop bas. On dirait que je suis en train de loucher. C'est magnifique. Ok, parfait. Combien il nous reste de faire? Seulement un. On va se faire une pelle. Pourquoi pas? On va se faire... Oh, il me manque un stick. Voilà. Merci. Comme ça. Non. Oui, une pelle, c'est comme ça. Désolée si je suis tout embrouillée. On va prendre le bois. Là aussi. Ah, le bois, il avait tout cuit. Parfait. Donc, on va dormir. Et pour le jour, on va aller couper du bois. Vu qu'on en a pas beaucoup. Et par la suite, on va aller dans les profondeurs des mines. Des mines pour avoir plus de minerais. Si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc là, on y va. Avec notre super casque. Ici. Ouais. Donc, avec une épée en fer, ça va plus vite. Oh, un creeper. Non. Oh. On a manqué notre coup vu qu'on était en cinquième personne. On voulait faire le malin, mais... Bon, j'ai rebouché ça, c'est pas si grave. C'est... Ça passe inaperçu. Ben oui, c'est pas si grave. Ok, ça. Bon, ici, on a de la rock and flesh. Et c'est pas si mal. Donc, on va couper ces arbres-là. Ah, ici, il y a un petit chemin secret. Qui va sur... Je sais pas. Donc, on va aller couper des arbres par là-bas. On va aller plus loin pour pas détruire le paysage. Donc on va détruire les arbres qui sont collés comme lui. Lui, ça serait pas si mal. Ici, je vais te couper. J'ai besoin de ton bois. Pardon. Oh non, on est tombé. Bon, c'est pas grave. On va prendre ça. Donc ici. La hache n'a pas été changée par le ressource pack. C'est peut-être un petit oubli. Donc, c'est pas si grave que ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. N'hésitez pas à laisser un petit like pour ce deuxième épisode de la Yuli World. Ça me fait toujours plaisir. Ici, on va prendre du bois. Ça, c'est quel type de bois? Du Dark Oak. Parfait. Ça, je pense que c'est le bois le plus foncé qu'on peut avoir. Là, on a déjà 27 bûches, un arbre. Qu'est-ce qui est quand même beaucoup de bûches dans un arbre. On va prendre les pousses, vu qu'on peut les faire brûler dans des fours. Par la suite, on va couper un deuxième arbre, un Dark Oak, lui, par exemple. On va se faire un escalier dans l'arbre, comme ça on pourra monter. Qu'est-ce qui est plutôt pratique. Voilà, on récupère les bûches. Donc, je pense que bientôt, il va y avoir une nouvelle série sur un jeu. Mais je pense que ça va être trop de contenu, donc je pense pas que je vais la sortir tout de suite. Je l'ai déjà filmé, mais... Je pense pas. Je ne crois pas que je vais la sortir tout de suite. Là, l'arbre est très, très long. Très haut. Très large. Il est gros. Mais c'est parfait. On a déjà plus d'un stack. Oh, et là, on a reçu une pomme. On a déjà plus d'un stack de bûches. Qu'est-ce qui est plutôt beaucoup de bois. Si on va... On a un archer. Et là, oh, on va pas se faire tuer. Oh non. Non. Oh bon, c'est pas si mal. On va se prendre de là. On va vite récupérer. On va prendre une petite épée en pierre. Bon, premier fail. C'est pas si grave. On va s'en remettre. Quoi, par où j'étais parti? J'étais parti par là. Par la suite, on était parti, voilà, par ici, je crois, oui, c'est par là.
on peut premier faire, c'est pas grave, ça arrive toujours. Il fallait que ça arrive un jour. Donc si vous voulez des métaphores, moi je suis là. C'est pas de problème. Donc l'arbre qu'on avait coupé était là, je crois. Oui, si on a une pousse. Parfait. C'est bon, je l'ai retrouvé, enfin. Je commençais à m'inquiéter. Il est là! Et je pense qu'on a tout. On a notre casque, notre magnifique casque. Et ici, on a nos 64 bûches. Qu'est-ce qui est quand même beaucoup de bois. On va tout remettre en ordre. Comme ça. Comme ça. L'épée, on en a pas besoin tout de suite. On va prendre la bouffe. Et comme ça, on va finir notre arbre pour que ça soit esthétique. Et bon, c'est pas grave, le temps qu'un bûche, on s'en fout. Donc on va retourner à la maison et par la suite, on va descendre dans les grottes pour aller chercher du diamant et du fer et de l'or et patati patata, tous les minéraux qu'il existe. Là, si on a un champignon. Ah, le mouton. Attendez, regardez bien. Quand je mange, regardez comment la vie se régénère aussi vite. Et ça va être un point sur le PVP. Qu'est-ce qu'un villageois faire sur le toit d'une maison? C'est une bonne question. Oui, la dernière fois aussi, j'avais changé une émeraude contre 9 flèches. Mais j'ai vu sur le point de vue, il y avait un autre villageois qui changeait une émeraude contre 11 flèches. Donc, j'aurais pu avoir plus de flèches, mais c'est pas si grave que ça. On va s'en refaire d'autres. Okay. Ici, on va fermer la porte pour pas qu'il y ait des gens qui entrent. Et là, ça va nous faire combien de... Ça va nous faire pas mal de stacks. 2, 4, 5 stacks de planches. Qu'est-ce qui suffit vraiment assez. Donc là on va faire cuire notre nourriture. On va prendre un petit peu. On va prendre ce bois là. On va faire cuire notre bouffe. Oups. Comme ça. Et voilà, et les PNJ. J'imite bien le son de PNJ. Oh! On pourrait faire comme ça. Et comme ça. Ok, ici la côtelette est cuite. On va la prendre. Et ici. Re tout le monde, désolé, petit bug. Donc, je pense que pour cette fin d'épisode, on va aller dans les grottes. Et oui, puisqu'on n'est pas beaucoup allé et j'aimerais ça avoir une armure complète en fer. Donc, ça serait plutôt pas mal pour notre situation. Donc, on va mettre les choses dans les coffres qu'on n'a pas besoin, comme ça, 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 ça. On va amener un stack, non. On va amener du bois. On va en prendre quelques-uns. Comme ça, c'est parfait. Et on va amener... C'est pas mal parfait comme ça. Est-ce qu'il reste des choses dans les fours? Donc, on va dormir à côté du petit villageois. Salut. Salut. Et après ça, on va aller dans les grottes pour que le prochain épisode soit...
qu'on soit dans les grottes et qu'on trouve du diamant. Et oui, et ça, ça serait plutôt pas mal. Là, il y a deux archets, on va pas les sous-estimer. Il y a trois même, il y a beaucoup d'archets. Je suis en difficulté, comment? Quelle difficulté? Normal, parfait. Donc, où est-ce qu'elle était notre petite grotte? Non, mais je m'en souviens que notre petite grotte était pas tant profonde que ça, donc on va essayer d'en trouver une autre. Donc on a une grotte et je pense qu'elle est... ça c'est une vraie grotte on dirait. Bon, on a déjà du charbon, ce qui est très réaliste. Et là ça va nous faire un charbon. Et puis ça, du charbon on en a beaucoup donc on va pas s'en priver. 6. Et donc je suis partie sans pioche. Qu'est-ce qui va mal pour éliminer. Donc je m'en suis fait une en bois et en pierre. Pendant la petite ellipse. Parce que c'était quand même long de trouver une grotte. Mais on est pas si loin du village, ne vous inquiétez pas. Donc 15, un filon de 15 charbon. C'est quand même beaucoup. Ici il y en a donc on va en prendre. Et on va faire tout de suite des torches. Vite, ça va me faire. Attention, calcul mathématique. Si. Un bâton et un stick. Bon, 32. C'est ça que j'allais dire, exactement. Bon, on va prendre d'autres charbons. On va en prendre à peu près 20. Et je pense que ça va être assez par la suite. Vas-y. Comme ça. Donc, je pense que les sons ont été modifiés. À l'aide du ressource pack. Ou peut-être que c'est moi qui délire. Je sais pas. Bon. Ok, on va descendre dans la grotte. Si c'est une vraie combi, ça va l'air d'être une vraie grotte. Donc, on va mettre notre torche dans notre autre main. Et voilà, on en met une ici. Et puis on en a 25, donc c'est assez. Ça fait pas mal de niveau, ouais. Ah, parfait. Donc, si on a du fer, on va le prendre. Et on va pouvoir commencer à se faire d'autres pièces d'équipement ou d'armure, comme vous voulez. Et là, on a du charbon. Ok. Ici, on a d'autres charbons. Est-ce que ma luminosité est au maximum? Ouais. Elle est au maximum. Donc, parfait. On va en prendre d'autres. Oh, ici, on a un squelette. On va pas mourir. On nous a pas mal descendu notre vie, mais avec la régénération de la 1.10. C'est plutôt. C'est quoi? C'est du sable? Du granit. Mais j'entends le des zombies, donc on va aller essayer de les chercher. Peut-être qu'il y a un spawner de zombies, je ne sais pas. Oh, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc, oh, ils sont au-dessus. Tac. On va prendre des blocs. Cobblestone. Oups, je vais mettre une torche. On va mettre une torche. Mais je pense pas que c'est par là. Non, je vais pas mettre une torche. Ah. Vas-y, mets des blocs. Vas-y. Oh, non, je suis tombé. Ah, c'est n'importe quoi. Bon, vas-y, monte cette fois, tu vas être capable. Vas-y, pose le bloc. Est-ce que j'en ai d'autres? Bon, on va prendre du bois, c'est pas grave. Bon, j'ai pas un. Parfait. Bon. Ça servait strictement à rien de venir ici! Oui! Bon. C'est pas grave. On va essayer de retrouver les petits zombies. Ils sont plus par là, je crois. On va essayer de les creuser pour voir. S'ils sont par là. Oh, du fer! Bon. On a bien fait de les creuser. On va le prendre. Et on va le mettre là pour savoir on en a combien. Même que j'entends un bébé zombie, je pense bien que c'est un spawner de zombies. Ils sont par là. Ouais, ouais, je les entends. On va remettre les torches dans notre deuxième main. Je crois qu'ils sont ici. Je les entends bien. Oh, ils prennent des dégâts. Mais où es-tu, petit bébé zombie? Merci, peut-être. Bon, là, je m'éloigne. Merci. Oh, oh, oh. Au-dessus, peut-être. Non, en face. Vas-y, on est tout prêt. À droite. Mais où es-tu, zombie? Oh, en dessous, peut-être. Non. Attendez, je vais me concentrer. À gauche. Non, plutôt droite. Bon, peut-être que je vais mettre cette séquence en accéléré. Vas-y. J'ai plus de pioche pour en faire un autre. C'est pas grave. C'est pas grave. Oups. Allez, je t'ai au milieu. Comme ça, on va reprendre la table de craft. Mais où es-tu, petit bébé zombie? Oh non! Bon, on a du sable sur la face. Et là.
Oh non, les sous au lac. Oui, ça aussi. Coupez l'eau. Non. Moi, je prends Zoro qui est à droite. Allez. Où es-tu? Allez, j'ai pas passé tout mon temps à chercher un maudit zombie. Je vais avoir du fer. Un truc comme ça. Allez! Où es-tu, merde? Je suis sur le bord de me mettre en game mode 3 pour trouver le maudit zombie. Parce que c'est sûr qu'il est dans une autre caverne. Ah 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 ah! Oui, enfin! Enfin, on l'a trouvé! Oh! Va-t'en! Va-t'en! Non! Attaque-moi pas! Va-t'en! Est-ce que ça serait une vraie grotte? Un cul-de-sac? Je vais rien dire. C'est. On est à la couche combien? On est à la couche 50! Ok, on va descendre un peu. Et on va aller à la couche du diamant pour trouver du diamant, évidemment. Il y a beaucoup de 1 dans cette phrase. Prends le fer. 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 Yeah, ça, c'est un gros filon. Et ça, qu'est-ce qu'on veut? J'ai 18. Je crois que c'est 21 pour faire l'équipement en entier. Parfait, on en a 21. Ici, on va continuer à descendre. Et on va faire brûler. J'entends un autre zombie, mais ça me tente plutôt pas de chercher. On va déposer la petite table de craft juste ici. On va faire des fours. On va en mettre. On va en prendre 3, 4. 4. Fait. Ça, on va les diviser. Ça, ici et là. Comme ça, pour que ça aille plus vite. Vas-y, cuit. Non, pas de torche là. Vas-y, cuit. Bon, pendant ce temps-là, on va continuer à descendre. Vas-y. D'autres fers. On va pas s'en priver. Je suis peut-être pas chanceux sur les grottes, mais on dirait que sur les minéraux, ça va plutôt bien. Ok, continue à descendre. On va mettre une petite torche. On va tourner à gauche vu qu'on entend un zombie à gauche. Et une chauve-souris en plus. Vas-y. Combien? Quelle couche? Moi je dirais à droite maintenant. Et là on est à la couche 35. Vas-y. Descends. Ah, oh, la chauve-souris, on l'entend. On va remonter pour prendre le fer et se faire un équipement. Se fabriquer au mieux de fer. Parce que sinon, c'est un peu bizarre comme phrase. Ah. Ici, il est vraiment là. On va voir. Ah, plutôt à droite. Ici, on a le charbon. On va l'en prendre. Et on a pété notre pioche. Ouais. On va prendre le fer. Ça, 16 et 21. Ça, on va faire le plastron qui est plutôt badass, les jambières et les petites bottines. Et comme ça, on pourra se faire avec deux. Il nous en manque juste un pour se faire un saut. Et puis là, on est un chevalier! Ouais! Regardez-moi ça! Le chevalier Yuan! N'est-ce pas magnifique? Ouh! Bon, je crois que c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Donc la prochaine fois, on va essayer de trouver du diamant. On va essayer de trouver les putains de zombies qu'on entend depuis tout à l'heure. Et je vous dis... N'hésitez pas à laisser un petit like.
et un commentaire. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!